Eh bien, notre prochaine mission. Ah, nouvel équipement disponible. J'ai aucun réseau. Je dois trouver d'autres tours à activer. Bon ben, voilà notre objectif. Je vois qu'on a des nouvelles compétences. On a 5. On a 2 points disponibles. Alors, innovateur. Prise de toile, ça c'est le classique. La prise de toile assomme les ennemis touchés, dégage la zone autour de vous. Bah, c'était pas déjà le cas? Illumination en hauteur améliorée. Trop classe! Et saisie de pistolet et les matraques. Oh, ça peut être cool. Maintenez triangle pour arracher les armes légères telles que les pistolets et les matraques des mains de vos ennemis. Appuyez sur carré lorsque votre coup touche un ennemi pour générer un bonus de concentration. Lancez... Oh putain, appuyez sur carré et maintenez triangle pour saisir un ennemi et le projeter dans les airs. Les fenêtres d'esquive augmentent votre marge de manœuvre pour réaliser une esquive parfaite ou un contre. Ah, peut-être partir sur ça. Et désarmement. Allons réactiver ces fameuses tours. Bonjour Monsieur Muggins, si c'est à propos du loyer... Monsieur Parker, cet appel est votre troisième et dernier avertissement, l'expulsion. Attendez, je suis payé en fin de semaine, je peux... Oh. L'expulsion débutera vendredi si vous ne procédez pas au paiement total avant la fin de la journée. Au revoir. Et bonne journée. Bonne nouvelle. Alors. Oh, il a parlé anglais, le type. On a un sac à dos juste là-bas. Je l'ai vu juste avant. Voilà. On devrait l'entendre. Alerte à toutes les unités, on nous signale un... Salut Monsieur Deep. Salut Peter, tout est prêt pour la fête. On attend plus que toi. Cool, je me mets en route. Ah, je l'entends ce foutu sac, mais je le vois jamais. Et ben il est là. Et Spider Tracker. Hey. Allons à notre mission. Wouhou. Cette liberté de pouvoir aller où on veut. De pratiquement voler. À toutes les unités, accident de voiture signalé, des civils ont besoin d'aide. Besoin d'effectifs à Gramercy, répondez. Monsieur Lee doit être en cuisine, en train de préparer la fête. Monsieur Lee qui est... Je sais plus qui. Oh. Salut Pete. Wow. Bon te voir. Salut Pete. Pareillement. Il s'est passé quoi? Pourquoi ils sont tous dans un gymnase? Ah, Peter. Comment ça va? Ah, Martin, désolé pour le retard. Non, tu tombes à pic. Essaie de l'occuper pendant qu'on prépare la surprise. Pas de problème. Hé, hey, mais c'est ma tante préférée. Peter, ça pour une surprise. Je peux t'aider? Oui, si tu veux. Oh, il y a des boîtes très lourdes. Non, pardon, je voulais dire un peu plus tard. En fait, je suis venu pour... J'avais seulement besoin de parler. D'accord. Très bien. Peter, tu as des problèmes? Tu as besoin d'argent? Enfin, je suis un peu en retard sur mon loyer, mais... Non, ça va. Encore des problèmes de cœur, c'est ça? Quoi? Non, pas du tout. J'aimerais tellement que ça marche entre MJ et toi, c'est une fille très bien. Je sais, mais...
Et tous les deux, vous feriez de si beaux bébés. Peter. Que se passe-t-il? Allez, dis-moi tout. Toutes ces dernières années, tu m'as aidé dans mes études tout en travaillant ici. T'as fait tellement de sacrifices et sans contrepartie. J'aimerais qu'il y ait plus de gens comme toi dans le monde. Il a raison. Il y a 5 ans, vous êtes arrivé ici en disant admirer ma détermination à aider les autres. Aujourd'hui, c'est à mon tour de vous admirer. Merci, May, pour tout. À ces 5 années et à celles à venir. Merci encore d'avoir préparé tout ça. Ah, j'aurais aimé pouvoir faire plus. Eh bien, Tante May a toujours dit que sauver une personne... c'est sauver tout le monde. On devrait peut-être envoyer May à l'hôtel de ville pour discuter avec le maire. Oh, il faut que je file. Merci encore pour la fête et le reste. Ça compte vraiment beaucoup. Un message vocal de Yuri. Je devrais l'écouter dehors. Pourquoi elle nous a envoyé un message? Je vais rafistoler mes chaussures. Il y a un nouveau problème, c'est sûr. C'est toujours pour les problèmes qu'elle nous appelle. Écoutons ce message vocal. Message vocal de Yuri. Hey, alarme silencieuse à la salle d'enchères où se déroule la vente des biens de fisc. Vous pouvez jeter un œil? Discrètement. Je ne veux pas faire de bruit pour rien. Les biens de fisc? Génial! Je me demandais ce que le Kingpin cachait dans ses placards. Eh bien, encore des problèmes. À toutes les unités, vol à main armée signalée, répondez. Le signalement a eu lieu aux alentours de Nomad. Désolé, mais j'ai une mission plus urgente qui m'attend. Peter, je ne t'ai pas vu quitter la fête. Ouais, j'ai dû filer au labo. Désolé. Ne t'excuse pas. Je voulais seulement te dire à quel point tes mots ont compté pour moi. Je me demande toujours si je fais ce qu'il faut pour toi. Oh, arrête, ton père. Après avoir perdu mes parents et oncle Ben, il y a tellement de fois où j'aurais craqué si t'avais pas été là. Eh bien, c'est valable dans les deux sens, Peter. Je tenais juste à ce que tu le saches. Mais je sais pas quoi te dire. Oh, je crois que Monsieur Lee a besoin de mon aide. Je dois y aller. À plus tard, mon chéri. Je t'aime. Moi aussi. C'est tellement touchant. C'est ça que j'aime avec Spider-Man. Avec Peter Parker, c'est que c'est un super-héros authentique. Ha! C'est pas pour rien que c'est l'un de mes préférés d'ailleurs. Regardez-moi comment c'est beau. New York en pleine soirée. Yuri a dit discrètement. Mieux vaut passer par derrière. Unité en patrouille, une attaque vient d'être signalée. Soyez prudents. En costume. Discret, en costume. Je commence à perdre patience. Où est le dossier? Il y a une autre personne. Elle a dû le prendre. Ces masques, qui sont ces types? Il n'y a personne d'autre que nous ici. Nous trouverons le dossier, ou vous mourrez. Ça craint. S'ils me repèrent, ils la tueront. Je dois agir en silence. Ah, où est-ce qu'on peut passer? L'alarme silencieuse se confirme. Des hommes masqués, armés et une otage. On a un braquage en cours. Bien reçu. J'envoie des unités. En attendant, empêchez la situation de s'aggraver. D'accord. On reste discret. Mieux vaut ne pas alerter les autres. R1 pour utiliser le lance-toile. Oh. Ok. Ho 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 ho!
Ils ont l'air si mignons en étouffle comme ça. Ouais, je confirme. Je devrais le piéger d'en haut. Discretos. Bon, doucement. Ouf, le... Oh là là, le monde qu'il y a. Aussi nouveau derrière un ennemi pour réaliser une élimination silencieuse. Sois sage maintenant. C'est trop bien. Quelqu'un approche. Ils vont me voir ici. Fuck, 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 fuck. A des limites. Quelqu'un d'autre est là, je le jure. C'est sûrement elle qui a le dossier. Oh! Dites-moi, où est-elle? Je sais pas. Appuyez sur R3 pour afficher les ennemis pouvant être éliminés sans danger. Si vous attaquez un ennemi avec un icône danger, vous serez repéré par les ennemis alentour. D'accord, donc il faudrait que j'élimine celui qui est en face? Vous pouvez attirer les ennemis en lançant une toile sur les surfaces ou les objets à proximité et du coup créer une diversion. Ici. Mais non. Trop classe. J'adore. Mais donc si. Par contre, je veux bien faire ça. Je suis bien cramé là. Allez, on a rien entendu. C'est quoi ça? Un appareil photo? Mais ça appartient à... Bouge pas. Mon pote, si j'avais eu un dollar à chaque fois qu'on m'a dit ça. Oh, Mary Jane! Hey, Peter. MJ? Qu'est-ce que tu fiches ici? La même chose que toi. Je travaille, enfin... Je travaillais. Oh, je crois que c'est à toi. Oui, merci. Donc Robbie t'envoie couvrir un cambriolage pour le Bugle? En fait... Techniquement, Robin sait pas que je suis là. Et au début, c'était pas un cambriolage. Quoi? Je t'explique. Je peux vous aider? Bonjour, Mary Jane Watson, je suis là pour l'article sur les ventes de fisc. Bonjour. Craig m'a dit que nous ferions ça demain. J'ai toujours aimé prendre un peu d'avance. Eh bien, je suis désolée, mais vous allez devoir revenir demain. Très bien, je comprends. Excusez-moi. Hé, hey, Craig. Non, désolée, mais je crois qu'on va devoir trouver un autre sujet pour la une. Je sais pas trop... Un truc sur la toile expressionniste? Attendez, on devrait pouvoir faire ça aujourd'hui. Vous êtes sûr? Vous êtes là, profitant de l'occasion. Je vous remercie. Craig? Laisse tomber. Fausse alerte. Très bien, allons-y. Prenez quel temps génie. De vous familiariser avec les articles. Retrouvez-moi à la statue de Baku quand vous serez prête. D'accord. Elle a oublié d'être bête, elle. Masque de théâtre 18e siècle. J'ai raison de Peter, mais j'ai jamais été fan des héros qui portent des masques. Je crois qu'être un héros, c'est aussi assumer ses actes. Dire oui, c'était moi. En tout cas, moi, c'est le genre de héros que je voudrais être. Ouais, mais tu n'es pas un héros, hein? Waouh. Une armure de samouraï, ça vous rappelle pas quelque chose?
l'armure Tamati. Je suis sûre que Fisk se voyait là-dedans. Un grand homme prêt à faire ce que nul autre ne ferait. Il est tellement mégalo. Fisk a ouvert Peter en deux avec ça la première fois qu'ils se sont battus. Il est venu s'écrouler dans mon jardin, à moitié mort. Oh, belle mémoire. J'ai dû voler la voiture de papa pour l'emmener aux urgences. Début de la carrière. Je me rappelle quand Fisk a commencé à importer illégalement des artefacts comme ça. Il avait acheté le port pour couvrir ses arrières et licencié tout le personnel, y compris mon père. J'aimerais qu'il soit là pour voir que la roue a tourné. Elle est belle, celle-ci. J'ai l'impression que toute l'histoire du monde se résume à des hommes qui se déguisent et se battent. Wow! Hyper joli! Représente deux gardiens. Incroyable! Il y a une telle tension entre ces deux silhouettes. J'adore. Dites-moi quand vous voudrez commencer. Ça marche? Bah écoute, allons-y. Tout d'abord, la pièce maîtresse. Un Baku Kakiemon unique. Oh, magnifique. C'est un Mifune? Exact. Monsieur Fisk a un goût exceptionnel. Est-ce que vous le connaissiez avant son arrestation? Dans un cadre professionnel, oui. J'ai géré beaucoup de ses ventes. Continuons, je vous prie. Je te suis. Ici, cette sublime pièce illustre la technique à l'encre diluée traditionnelle Tarashikomi. Les deux Nioh sont très imposants. Je comprends que Fisk aime cette pièce. C'est tout à fait son style. Il aimait la dualité. La destruction est bruyante, mais la création œuvre en silence. Vous avez remarqué des anomalies dans les ventes que vous gériez pour lui ? Non. Non. Bien sûr que non. Je n'ai rien remarqué. Air suspect, quand même. Regardez les fines incrustations dorées de ce service à terre rituel. En fait, un ami du procureur m'a dit que Fisk se servait des ventes d'art pour blanchir des biens volés. Non, je ne suis au courant de rien de la sorte. Oh, je sais bien. Je me demandais simplement, maintenant qu'il est en prison, si vous aviez noté des choses bizarres. Pardon, mais je me rends compte que je n'ai plus beaucoup de temps. Et si nous prenions la photo de couverture tant qu'on le peut? Quand mon ami du bureau du procureur a su que je faisais un papier sur vous, il m'a dit qu'il connaissait votre nom. Juste la photo, d'accord? Mettez-vous là. Vous êtes sûr de ne rien avoir à dire, même de vous à moi, au sujet des activités de Fisk? Je doute que vos lecteurs s'intéressent vraiment à ce... C'est pas vrai. Attendez là, je vous prie. Oh, waouh. Je reconnais cette statue. Il faut que je prenne une photo. Ça n'a rien à faire là. Allô? Craig? Craig, je te rappelle. Oh, mademoiselle, oh. Je crois qu'il est temps pour vous de partir. Oh, est-ce que je peux utiliser les toilettes? Très bien, suivez-moi. Merci. C'est vraiment un bel espace. En effet, et c'est la dernière fois que vous le voyez. Les toilettes pour dames sont sur la gauche. Faites vite. Mais c'est vraiment une enflure. Je me dépêche. C'est la dernière fois que vous le voyez. Putain. Allons mener notre petite enquête. Tiens, salut Craig. C'est marrant que tu m'appelles. Parce que la journaliste que tu as envoyée ne travaille clairement pas sur l'article convenu. Non, elle est ici. Il faut que j'entre dans l'arrière-salle. Si cette statue est bien ce que je crois, je pourrais tenir un scoop. Comment ça, il a eu un empêchement? Lorsque les ennemis ont des symboles de soupçon, un symbole point d'interrogation apparaît. Ils commencent à fouiller la zone. Un symbole exclamation signifie que vous avez été repéré. Et si ce n'est pas ta journaliste, c'est qui alors? Qui est dans ma salle d'enchères? Oh oh. Oh mon dieu. Non, je doute que tu puisses régler ça. Oh oh.
Eh bien, je vais d'abord commencer par faire arrêter mademoiselle, je mène l'enquête. Et ensuite, je vais m'arranger pour te faire tomber, Craig. Oh, elle a pas l'air contente. Oui, c'est très clairement une menace. Peter m'a parlé de ça. Fisk s'en servait pour cacher des preuves. Pourquoi la police l'a pas pris? Je sais que cette statue s'ouvre. Mais comment? C'est le Nio derrière eux. Sauf qu'il est différent. Le bras. Le bras ici est levé. Est-ce que ce serait ça? C'est ça, le bras est levé. Elle a l'air à l'aise avec Fisk. Qu'est-ce qu'on a ici? Il tient quelque chose. Il y a marqué quoi? The Wilson Fisk Collection. Et ici, on a quoi? La statue est articulée. La pose la plus courante est la force latente. Bouche fermée, bras gauche en bas, paume droite en avant. Mais du coup, on a notre position. Peut-être que ces trucs bougent. Bras gauche levé. Ah oui, d'accord, faut les mener. Alors c'était... Je vais de nouveau regarder. Alors, comment c'était? Bras gauche baissé, bouche ouverte, bras droit levé. Ok. Le catalogue mentionnait deux poses. Bouche fermée, bras gauche en bas, paume droite en avant. Bouche fermée, ah, gauche en bas, paume yes droite en avant. Bras gauche en bas, paume... Paume droite en avant. Le catalogue mentionnait deux poses. Bouche fermée, bras gauche en bas, paume droite en avant. Bras gauche en bas, paume droite en avant. Peut-être qu'en tournant sa comme tête... ça. Bien. Yes. Presque. Mais il manque quelque chose. Oh. J'ai déjà vu ça. On le prend. Ah. Est-ce qu'il a quelque chose dans la main? Non, il a rien. Eh bien, on va essayer avec toi. On le récupère. Ça ne va pas. Bon. Essayons autre chose. Et ça. Ça correspond. Voilà. Yes. Norman Osborn. Qu'est-ce que c'est? Le souffle du diable. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que... Excusez-moi, monsieur. Non, vous ne pouvez pas. Ouf. J'aime pas ça. Où est la statue? Ici. J'allais rejoindre la sortie quand je t'ai vu. T'as de la chance d'être en vie. C'est pas moi qui t'ai sauvé il y a 5 minutes. Écoute, je sais pas qui sont ces types, mais ils veulent ce dossier. Et je peux pas le sortir d'ici tant qu'ils occupent le bâtiment. Bon, ok. Retourne te cacher là. Je m'occupe des méchants et tu fonces quand la voie est libre.
Ça me va. C'est bon de te revoir. Ouais, toi aussi. Mais c'est pas comme ça que j'avais imaginé nos retrouvailles. C'est drôle. C'est exactement comme ça que je l'imaginais. Est-ce que... elle a changé de parfum? Oh, c'est pas le moment, Peter. Oui, d'accord. Ok. Ouais, je devrais m'occuper de cela avant de continuer. On va essayer de procéder d'une bonne manière. Pitié, me faites pas de mal. Merde. C'est bon, Peter. Je suis caché vers l'avant. Bon, mais chaud, hein. Ça marche. C'est quoi ce dossier? Qu'est-ce qui... Il a tué. Il a tué. Je vais d'abord m'occuper de lui. Et voilà. Et son copain. Je suis trop loin. Oh là là, le monde qu'il y a. Ok. Ce qu'on va faire, c'est ça. Évidemment, ça les attire pas. C'est beaucoup trop loin. Tranquillement. Hein ? Non, Valde. Viens par là, mon grand. C'est bien. Par là, mon grand. Wow, Fisk a fait des tonnes de trucs. Ouh, contre la vitre, il le voit pas. À ton tour, mon grand. Une pièce à la fois. Je dois dégager celle-là avant de continuer. Il vient d'où? Oh, je l'avais pas vu tout à l'heure, lui. J'espère qu'il a... j'espère que j'ai pas attiré l'attention. Bon, la salle est sûre. Ok. Là, on a juste un type. Oh ! Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était le dernier. Oh, j'ai tout pété. Lâche-moi ! Je vous laisserai pas vous enfuir, les gars. C'est pas bien de prendre des otages, les gars. C'est quoi ces armes qu'ils ont? Waouh! C'est quoi ce machin qui brille sur vos mains? Mais c'est ce fantôme? J'ai jamais affronté de fantôme, moi! Oh, ils sont chauds! Enfin, j'ai affronté des spectres. Mais bon, techniquement, c'est pas des fantômes. Tous les fantômes sont des spectres, mais tous les spectres sont pas des fantômes, vous le saviez? Ouais, je dirais que c'est une histoire d'énergie plutôt que de fantômes. Tant pis, je garde combattre un fantôme sur ma liste d'objectifs. Heureusement que j'ai pris le talent qui permet de... oh, d'avoir un peu plus de temps pour agir. Fier, mon gars. Ah, viens la nôtre.
Oh là là, mais vraiment, heureusement que j'ai pris ce pouvoir. Ouh. Le cardio, c'est fait. Ça a l'air ancien. Je connais peut-être quelqu'un qui pourrait retrouver d'où ça vient. Je verrai ça plus tard. Je viens de parler à Craig. Vous n'êtes pas la journaliste qui l'a envoyé. Vous n'êtes même pas une de ses employées. J'ai jamais dit que je l'étais. Mary Jane Watson, Daily Bugle. Je vous interdis de raconter un seul mot de ce qui vient de Alors se passer. Alors, que savez-vous sur le fichier que les hommes masqués ont volé? Ça, je ne sais rien. Et qu'en est-il des objets volés que Fisk a blanchis dans cette salle d'enchères pendant des années? Votre rédacteur en chef aura des nouvelles de notre avocat. Chez Mick? Comme si rien ne s'était passé depuis 6 mois. Allez, tu peux pas me dire non? Depuis quand Mick est devenu italien? Aucune idée, mais je suis content qu'il fasse encore ses fameuses frites. Tu m'étonnes, les meilleures de la ville. Alors, comment ça se passe au Bugle? En fait, Robbie vient de m'envoyer un texto tout en majuscule à propos de mon exploit d'aujourd'hui. Je crois que je vais avoir affaire au service légal. Encore. Ah, une fois qu'il aura lu ton article, c'est la promotion assurée. Sinon, tous ces affreux masqués, t'en penses quoi? Rien d'extraordinaire. Et toi, à ton avis? Je crois que cette affaire va plus loin qu'on le pense. Mais arrêtons de parler boulot pour l'instant. Comment ça va pour toi? Tu l'as eu finalement cette promotion? Non, mais on est sur le point de faire une très grosse avancée. Tu sais que tu pourrais facilement bosser chez Oscorp. Un coup de fil à Harry et... Ouais, mais les recherches du docteur Octavius aideront des tas de gens. C'est exactement ce que je veux faire, c'est ce que je dois faire. On dirait presque que c'est plus important que ton autre job. Je t'avais jamais entendu parler comme ça. Beaucoup de choses changent en 6 mois. Pourquoi tu m'as fait venir ici, Peter? Eh bien, pour un simple dîner entre amis. Des amis? C'est ce qu'on est pour toi? Oui, je veux dire, pourquoi pas, si c'est vraiment ce dont t'as envie. On a un sacré bagage, nous deux. Ouais, c'est pas faux, mais... Est-ce que c'est vraiment un problème? C'est vrai, les bagages peuvent aussi contenir des trucs bien, comme de l'argent, des clés et du baume à la framboise. Tu te rappelles pourquoi on a rompu? C'est une question piège, pas vrai? Sauvé par les sirènes. On se parle plus tard. Phil. Ça me fait très plaisir de vous revoir ensemble. Je vous ai toujours bien aimés, tous les deux. Le petit caméo qui fait plaisir. Eh bien. Prochaine mission. D'abord au niveau supérieur. Hé, c'est moi! Je viens de voir des unités sur la troisième. Oui, on dirait que ce bon vieux Hermann Schultz est de retour. Shocker? Il vient pas d'être libéré sur parole? Si, mais ça devait pas lui plaire. Pas de soucis, Hermann est un rigolo. Je l'aurais ramené sur Riker avant l'extinction des feux. Après un tête-à-tête avec mon ex, que j'ai sauvé de criminels masqués, maintenant, je vais dérouiller un fou furieux qui commet des vols grâce à des ondes de choc. Un jour comme un autre dans la vie normale de Peter Parker. Peter, je voulais m'assurer que tu n'as pas laissé traîner dans le labo les équipements que tu construis pour ton... ami. Ça ne me dérange pas, mais si le comité des subventions devait repasser... Pas de soucis, Doc. Je fais en sorte de rien laisser traîner. Mais je sais que mon ami apprécie que vous pensiez à lui. Il y a beaucoup de gens qui l'apprécient pas trop.
ce bouffon de Jameson et son auditoire de moutons. Je t'en prie, les gens qui font de grandes choses dans ce monde sont ceux qui ne se laissent pas marcher sur les pieds par des zèbres dans son genre. Des gens comme nous. Bien parlé, Doc. Prenez soin de vous. Quelle compréhension. On va juste remettre en fonctionnement avant la tour. Une onde plutôt petite et vachement courte. Oh, nice. Et du coup, on a un peu plus d'informations. Eh bien, ne tardons pas trop. J'ai vu une espèce de couronne. Une espèce de couronne là. C'est quoi ? Rendez-vous sur Bowery. Juste ici là. Repère de Fisk. Ah d'accord, ok. C'est des sortes de missions en fait. Ok, ok. Et qu'on peut refaire. Quand je vous dis que ce jeu est formidable. Oh là là. En plus, à l'heure où je sortirai cette vidéo, il y a déjà une vidéo disponible sur, sur YouTube par rapport à la. Enfin, avec la comparaison de la version PS4 et la version PS5. Et c'est hallucinant. Vous êtes pas prêts. Salut Herman. Sérieusement? Hey! Mon vieil ami. Oh, je te serais pas déchappé. J'ai déjà entendu ça quelque part. Bordel qui fout! Wow! C'est gentil de ta part. Va te servir l'argent, Herman. Qu'est-ce que ça change? Rien, en fait. C'est juste histoire de faire la conversation. J'ai rien à te dire. Dommage, ce serait beaucoup plus épanouissant si on partageait nos sentiments. Oh, pardon, j'oubliais. Tu n'as pas de sentiments. Allez, je suis en train de perdre. Parle-moi. Que ça soit un minimum intéressant. Herman? Quoi? Faut t'appeler Shocker, c'est ça? Monsieur Shocker? Let's go. Allez! J'y suis presque! Voilà! Parlons un peu! Tu m'échapperas pas, mon gars. Fallait vraiment que tu remettes ça? Tu sais bien que la police te surveille de près. Bon, d'accord, t'es pas très malin, mais à ce point-là, t'es bien criminel. Faut vraiment être désespéré. Ce qui me fait penser que tu fais pas ça par choix. Tu dois travailler avec quelqu'un. Ou pour quelqu'un. Tu peux me dire tout de suite qui c'est? Ou me forcer à te taper dessus? C'est toi qui vois. Allez, on se bouge! Ouh! Allez, plus vite! Allez! Il prend trop d'avance à chaque fois. Oh, mais je l'esquivais! Ah, j'étais sur le point de le choper.
m'échapperai pas. Tu sais quoi, Herman? T'as le charisme d'une huître, mais ton costume déchire. Tu veux bien qu'on parle design? Ouais, plus tard. Tu peux rien contre Peter Parker. Ou plutôt, Spider-Man. Beau travail, Spider-Man. Vous avez réussi à en savoir plus sur son mobile? J'ai essayé, mais il est pas très bavard. En plus, je pense qu'il me déteste. Je crois que c'est le cas de pas mal de gens, vous savez. Mais vous, vous m'aimez bien, non? Disons que je vous tolère. Oh! C'est la première fois que vous me dites un truc aussi sympa. J'ai un petit peu de temps libre. Je vais enfin pouvoir m'intéresser à ce masque. Oh, c'est MJ. Salut MJ. Tu dors pas? Je viens de regarder les infos. Apparemment, tu t'es bien amusé avec Shocker ce soir. Ouais, il était plus coriace que d'habitude. Au fait, merci pour le dîner. Qu'est-ce que je te dois? Ça t'irait un service? T'as toujours le masque de la galerie? Ouais, bien sûr. J'allais justement au centre Fist pour en parler à Martin Lee. Martin Lee? Pourquoi? Il a étudié l'histoire de l'art. Si quelqu'un sait d'où provient ce masque, c'est bien lui. Le jour se lève. Monsieur Lee ne va plus tarder. Oula, j'ai un petit creux, moi. Monsieur Lee doit être à son bureau à cette heure. Mais en fait, je me demande dans quoi on est là. C'est un complexe, pourquoi? Food emergency. Ah, ok. Ouais, c'est un centre d'aide. D'accord. Centre solidaire. Je me suis jamais senti en sécurité à l'autre refuge. Ici, j'ai jamais eu de problème. Il y a toujours quelqu'un pour veiller sur lui. Peter, que puis-je faire pour toi? Pardon de vous déranger, monsieur Lee. J'ai une amie, Mary Jane, qui est journaliste. Elle écrit un article sur l'importation d'œuvres d'art et elle a trouvé cette pièce. Elle voudrait avoir l'avis d'un expert et je sais que vous avez un diplôme. Et ça pourrait bien être la première fois de ma vie que je peux l'utiliser. Alors, montre-moi ça. Intéressant. Où l'a-t-elle trouvé? Je sais pas vraiment. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est une réplique d'un ancien masque d'opéra chinois. J'en ai pas vu depuis des années. Ce symbole juste ici peut se traduire par démon. Démon? Mon père me lisait des contes d'horreur avec ce masque et ce symbole quand j'étais petit. J'en avais une peur bleue. Peter, écoute-moi. Ce masque... il pourrait être lié à des personnes dangereuses. Mary Jane devrait trouver un autre sujet d'article. Quoi? Vous pensez qu'elle est en danger? Je sais pas. Mais pourquoi tenter le diable? C'est vrai. Pourquoi tenter le diable? Hey! Bon, le symbole dans le masque veut dire démon. Monsieur Lee avait l'air terrifié, je l'avais jamais vu comme ça. Il m'a même dit que tu ferais mieux de laisser tomber. Il rêve. Tu crois que Monsieur Lee en sait plus que ce qu'il veut bien nous dire? Non, je crois plutôt qu'il a eu une sorte de flashback. Je sais qu'il a eu une enfance assez traumatisante. Ouais, ça doit être ça. Des démons, hein? Accrocheurs? Ok, j'ai du boulot. À plus tard. Bon, je dirais que ça s'est pas trop mal passé. Plutôt bien, même.